Par ici, général. Les forces de Boudica ont envahi le forum. Quels sont vos ordres? Il faut éliminer la garde rapprochée de Boudica et la tuer. Retournez chez moi. Réserve d'archers de la 19e, général. Suivez-moi. À vos ordres. En bas. En renfort. On a des pilotes juste là, général. Voilà Boudica, général! Sur l'éléphant! Elle essaie de percer les défenses du palais! De quelle artillerie disposons-nous? Il y a un scorpion sur la corniche, général! Attention! Allons, allez, sans bouquet! En voilà un! Il charge! General, Boudica va faire contact.
Te revoilà, Romain. Cette fois, tu te rendras ou tu le paieras. Et te laisser détruire Rome ? Jamais ! Il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Et je ne te laisserai pas me priver de ma victoire. Allez, Boudicca!
Marius, fils de Rome. Nous ne sommes pas si différents, toi et moi. Le destin a fait de nous des ennemis. Mais dans une autre vie... Dans une autre vie, peut-être. Pas dans celle-là. Non. Pas dans celle-là. Vas-y, Romain. Vas-y. Centurion Severus, à moi! Expose ça à l'endroit le plus élevé que tu trouveras. Les barbares sont furants à sa vue. La victoire sera à nous. Puisque tu n'es pas là pour me protéger, que veux-tu? Tu as fait assassiner ma famille. Rome est en ruine par ta faute. Tout ce qui s'est passé... ces morts inutiles... c'est ta jalousie, ton orgueil... et ton arrogance qui en sont la cause. Attends! Aurais-tu oublié la prophétie de l'oracle? L'empereur Néron ne pourra mourir que par sa propre épée. Je suis le seul à pouvoir me tuer, tu l'as dit toi-même. Les dieux t'en voudraient! Et donne-moi ta dague, général. Que ma mort soit celle d'un empereur. Même si ma vie ne l'a pas été. Tu m'as dit que vous aviez vaincu les barbares. Donc? Ce ne sont pas eux derrière cette porte! Ce sont mes prétoriens! Garde! Garde! Damoclès est ici! Il veut me tuer! Protégez-moi! Marius. Cher Marius. As-tu la moindre idée de tous les ennuis que tu m'as causés? Sais-tu tout le mal que je me suis donné pour mettre tout cela en place? Des règles. Oh.
Rome finit par panser ses blessures, et sa civilisation fleurit de plus belle. Sauvée par un héros méconnu, la ville devait perdurer des milliers d'années. Et il en serait ainsi jusqu'au dernier jour des hommes.